Fleur des morts. J'entends les curieux dire. Quel âge a-t-elle? Vienne la mi-novembre, elle aura 40 ans. Peu de femmes m'ont vu, la Saint-Martin si belle. Et l'automne rendra jaloux bien des printemps. Par un sang riche et pur, sa lèvre est carminée. Dans un grain de farne, refleuré son teint. Elle n'a jamais eu la gorge enfarinée pour se faire au pastel une chair de satin. Le caprice du temps l'a si peu chiffonnée qu'en donnant au miroir son coup d'œil du matin, de sa longue jeunesse, elle semble étonnée. Pas une dent perdue, pas un cheveu teint. Elle a pourtant vécu jour et nuit dans la joie. Elle a reçu les rois du monde officiels, plus d'un saint personnage, en douillette de soie, a pris son escalier pour le chemin du ciel. Sa marraine était bien la fantaisie ailée, qui porte un cœur léger, cœur tout peuplé et doublé. Pour noyer les serments de sa bouche emperlée, elle a bu les flots d'or du Grave et du Chablis. En gaspillant sa vie, se croyant heureuse, elle avait 40 ans. Elle pleure à son tour. C'est la première fois qu'on la dit amoureuse. Elle aime et n'ose pas laisser voir son amour. Car son amour ressemble aux fleurs de cimetière. Riches sont les parfums et riches les couleurs. Mais la foule des morts gît à 5 pieds sous terre. Et souvent, on répugne à respirer ses fleurs.